aussi une source d'alimentation à voltage variable, donc on peut facilement modifier le voltage selon ce que nous avons besoin. Dans le cas de cette source, ça va à un maximum de 10 volts, ce qui est quand même considérable. Nous avons un pôle positif et un pôle négatif. C'est notre source d'énergie, donc quand on branche des fils à partir de ces deux points d'ancrage-là, on permet aux électrons qui partent de la source négative, du bord négatif, de se rendre vers le bord positif. Donc, ils vont parcourir le trajet qu'on va avoir prévu pour eux pour qu'ils puissent se rendre jusqu'au bord qui est positif. Pour effectuer des circuits, nous pouvons utiliser différentes sortes d'outils. Donc, on a premièrement des petites ampoules, comme ceci. Faites attention, si ça ne fonctionne pas en laboratoire, c'est peut-être tout simplement qu'il faut revisser un peu l'ampoule, peut-être que ça doit dévisser. Donc, ces ampoules vont s'allumer si les électrons sont capables de circuler à travers notre circuit. Nous avons aussi des interrupteurs à bouton poussoir. Donc, quand on appuie, on ferme le circuit. Et quand on relâche, le circuit est ouvert, donc aucun électron peut passer. Donc, c'est une façon de s'assurer que notre circuit ne surchauffe pas. Donc, important de mettre un interrupteur si on ne veut pas se faire surchauffer ou brûler quelque chose. Nous avons aussi des fils, tout simplement. Donc, tout simplement un fil conducteur qui va tout simplement nous servir de li liaison entre nos différents éléments de circuit, donc les interrupteurs, les ampoules. On peut aussi utiliser de vrais longs fils de cuivre qui peuvent être liés à ce qu'on appelle des pinces crocodiles. Donc, les pinces crocodiles vont nous servir de liant entre nos fils et les éléments du circuit aussi. Il existe aussi des résistors. Donc, les résistors possèdent des résistances différentes. Par exemple, ici, on voit qu'il est marqué 100 ohms. Donc, c'est une résistance de 100 ohms. On a aussi des 200 ohms. Et on a des modèles un peu plus extravagants, donc 10 ohms par exemple ici, qui est marqué sur le dessus. Ils sont tous bien identifiés, il faut seulement vérifier. Ça conclut pas mal les éléments du circuit qu'on va pouvoir utiliser. Dans tous les cas, les résistances vont servir à ralentir le passage courant. Les ampoules, principalement, vont avoir le même effet, sauf qu'ils vont transformer l'énergie qu'ils vont prendre en énergie lumineuse, tandis que les résistors vont plutôt la transformer en chaleur. Vous avez ici les deux principaux éléments de mesure que nous allons utiliser dans les laboratoires. Vous avez de ce côté-ci l'ampèremètre, donc facile à reconnaître avec la lettre A. L'ampèremètre nous sert à mesurer l'intensité du courant en ampères. Notez ici que nous avons bien trois échelles disponibles, 5 ampères étant la plus grande, 500 milliampères étant un peu plus précise et 50 milliampères étant notre plus précise. Attention, quand on effectue des branchements avec les ampèremètres, on commence toujours par la plus grande échelle. Si on n'est pas capable de voir une mesure sur l'échelle ici de 1, de 1 à 5, on peut ensuite transférer à la plus petite échelle. Ça veut dire que notre intensité du courant était sûrement très très petite, donc on peut transférer à 500. On regarde alors entre les chiffres de 0 à 500 ici. Si on a un mouvement d'aiguille qui est inférieur à 50 milliampères, c'est-à-dire entre le 0 et le 100 ici, si ça ne bouge pas plus que ça, on peut se permettre d'aller transférer à l'échelle encore plus petite qui va de 0 à 50. Et là, on a une mesure vraiment précise. Donc, très important, on vise toujours l'échelle la plus petite dans tout ça. Le voltmètre fonctionne de la même façon. Attention, borne négative, borne positive, même chose pour l'ampèremètre. C'est très important de respecter ça. Au niveau du voltmètre, on a encore plus de variance pour les échelles. Donc, on peut vraiment s'assurer d'avoir la mesure très précise. Faites attention, on ne veut pas que l'aiguille cogne dans le fond. Donc, si possible, ne pas faire cogner les aiguilles dans le fond, parce que ça peut endommager notre appareil. Donc, ici, le voltmètre, lui, va plutôt servir à faire une mesure de tension ou de différence de potentiel. Donc, dans les cas où on utilise l'ampèremètre ou le voltmètre, il faut faire attention à notre branchement. L'ampèremètre se branche en série, juste avant ou juste après l'élément où on veut calculer l'intensité du courant. Et le voltmètre va se brancher en parallèle, donc en espèce de pont au-dessus de l'élément qu'on essaie de calculer.
Ici, on a deux façons de représenter nos circuits électriques. On a vraiment la vieille méthode avec les fils et aussi on a le panneau de montage. Donc, si on regarde ici mon circuit, si je le branche dans ma source électrique, je vois que les électrons vont partir de cette bande-là, vont traverser en premier une ampoule. Ensuite, ils vont continuer ici, traverser une résistance de 100 ohms et finir avec un interrupteur pour retourner vers la bande positive. Donc, si j'appuie, on voit que le circuit est fermé, l'ampoule allume. Je peux représenter le même circuit avec un panneau de montage. La différence du panneau de montage, c'est que celui-ci possède des fils intégrés à l'intérieur déjà. Donc, nous, on a seulement à fermer les parties du circuit avec nos éléments. Et ici, on peut voir que c'est la même boucle qui est recréée. Donc, de la bande négative, on passe par une ampoule, une résistance de 100 ohms, et on retourne avec l'interrupteur vers la bande positive. Donc, on a exactement le même résultat quand on appuie, donc l'ampoule allume aussi. Toutes les lignes blanches sont donc des fils. On peut le voir avec cette planche de panneau de montage transparent. Donc on voit qu'en dessous, ce sont des fils soudés les uns aux autres et il y a des espaces prévus pour tout simplement venir mettre nos éléments et fermer le circuit. Donc, pour effectuer le montage précédent, qui est un circuit en série, la première des choses à faire, c'est premièrement sortir les éléments qu'on a besoin. Donc, on a évidemment besoin de notre source, on a besoin d'un interrupteur, on a besoin d'une ampoule et d'une résistance de 10 ohms. Donc, très important de trouver la bonne résistance. On va avoir aussi besoin d'un tas de fils, donc on peut juste en sortir quelques-uns pour commencer. Et nous commençons en regardant tout d'abord à partir de la borne négative, qu'est-ce que mon électron va devoir croiser en premier. Par convention, on utilise des fils noirs pour partir de la borne négative, mais ça ne change vraiment rien. Donc, qu'il soit rouge ou qu'il soit noir, c'est le même fil. C'est vraiment juste pour nous aider, nous, à repérer rapidement la borne négative versus la borne positive. Donc, on commence par un fil noir qui sort de notre borne négative et ce fil noir rencontre en premier une résistance de 10 ohms. Donc, on vient tout simplement insérer le fil dans notre résistance. On poursuit notre chemin toujours avec un fil noir vers le prochain élément. Prochain élément sur notre circuit, ça va être l'ampoule. Donc encore une fois, on part du fil de la bande négative et on fait le chemin de ce qui va être croisé par l'électron. À partir de ce moment-ci, on est comme à mi-chemin du circuit, on peut partir avec un fil rouge de notre ampoule et on croise ensuite un interrupteur qui lui est directement relié à la bande positive de notre source. Donc à partir de ce moment-là, on peut faire une rapide vérification. Partant de la bande négative, on croise résistance, ampoule, interrupteur vers la bande positive. Attention, notre source, on dit ici qu'il faut l'ajuster à 6 volts. Donc, faites attention de toujours bien ajuster votre source au voltage désiré. Ça va changer sinon vos calculs d'intensité et de tension. Donc, on essaie le plus possible d'aller proche du 6. Évidemment, ça varie beaucoup, résistance de l'air, etc., résistance des matériaux qui peut varier selon la chaleur. Faites attention, quand on laisse un circuit ouvert trop longtemps, il peut surchauffer. Ça peut modifier les valeurs de résistance de notre circuit. Donc, le plus possible, quand on veut prendre des mesures, on le fait rapidement. On ouvre le circuit, on prend notre mesure, on éteint. Donc, on fait ça toujours le plus rapidement possible en essayant d'éviter de laisser le circuit chauffer trop longtemps pour ne pas venir fausser nos données. Donc, ça, c'est la version avec fil électrique qu'on peut vous demander de faire. Sinon, il y a la version panneau de montage aussi que je vous montre dans un instant. Donc, voici le temps venu de parler du panneau de montage. Donc, panneau de montage, vous allez souvent nous entendre dire Sigmatron. Donc, c'est la marque, c'est comme on peut dire Kleenex pour des papiers mouchoirs. Donc, quand vous nous entendez parler de Sigmatron, vous faites la référence avec le panneau de montage. Par convention, j'ai déjà branché ici comme il faut. On va mettre la bande positive dans la bande rouge du panneau de montage et la bande négative dans la bande noire du panneau de montage. Donc, à partir de ce moment-là, mon circuit est branché
mais la boucle n'est pas complète. Donc, si vous regardez, là, il y a plein de trous, il n'y a pas moyen que mes électrons aient un chemin présentement pour retourner à la bande positive. Donc, c'est ce qu'on va faire avec notre circuit. On va venir boucher quelques portions ouvertes pour permettre aux électrons de retourner vers la bande positive. On commence de la même façon. De notre bande négative, on sait qu'on a une résistance de 10 ohms. Donc, faites attention, on ne va pas venir placer notre résistance de 10 ohms ici, par exemple. Pourquoi? Parce que tout simplement, les électrons, quand ils arrivent ici, ils ont soit le choix de passer par une résistance ou de passer carrément tout droit. Donc, le choix va être facile pour eux. Ils vont vouloir se rendre le plus rapidement à la bande positive. Donc, ils vont carrément passer tout droit et ne pas perdre aucune énergie dans notre résistance. Donc, on veut vraiment venir combler un espace où les électrons n'ont pas le choix de passer. On a plusieurs choix. On pourrait par exemple le mettre ici pour qu'il continue son chemin vers là. On pourrait le mettre ici. On pourrait le mettre ici. La quantité de choix varie au nombre d'éléments qu'il faut mettre. Par exemple, ici, il faut en mettre trois. Donc, on prévoit avoir trois espaces où mettre nos éléments. Par exemple, si je le mettais ici, on verrait ma boucle qui se refermerait et j'aurais juste l'espace pour un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre juste un peu plus loin ici. Et comme les électrons vont passer par là, il va avoir un espace ici pour mettre mon deuxième objet et mon troisième aussi pour se rendre à la bande positive. Donc, c'est la place de choix. Ça n'aurait rien changé qu'on le mette ici. La seule chose, c'est qu'il aurait fallu rajouter quelques fils parce qu'on n'a pas ici quatre éléments à combler. Donc, on va le déposer ici. Deuxième des choses, c'est notre ampoule. Donc, notre ampoule, nos électrons passent par ici. On voit ici qu'on a un trou, c'est ouvert le circuit. On peut venir mettre notre ampoule, forcer nos électrons à passer à travers l'ampoule pour se rendre à la prochaine étape, qui est notre interrupteur qu'on vient placer ici. Donc, à ce point-ci, si je veux regarder si mon circuit est complet, il faut que je regarde si ma boucle, pardon, est complète. Donc, on part ici, on va traverser la résistance. Les électrons peuvent toujours passer à travers l'ampoule et peuvent se retourner vers la bande positive. Donc, oui, le circuit est fermé, ça devrait allumer comme on le voit ici. Si par exemple, vous avez décidé de faire une plus grande boucle, par exemple, vous avez mis votre résistance jusqu'au bout ici, si vous laissez ça comme ça, vous avez remarqué que les électrons ne peuvent pas passer. Donc, ici, on se rend jusqu'à la résistance et on a un trou ici. Donc, les électrons ne peuvent pas passer ici parce qu'il n'y a pas de fil qui conduit. Donc, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est rajouter tout simplement des fils. On peut soit utiliser les fils comme celui-ci, ou on peut utiliser des fils de sigmatron, comme vous voyez ici. Donc, on peut tout simplement venir boucher les trous avec ce genre de fils-là. Et à ce moment-là, c'est tout simplement des fils normaux, n'offrent aucune résistance, n'altèrent pas notre circuit, mais va faire en sorte que nos électrons peuvent circuler d'un bord à l'autre. Et on a le même résultat en bout de ligne. Une plus grande boucle, le même circuit. On peut rajouter des fils comme ça à l'infini. J'aurais pu en rajouter encore et encore avec ce type de fil-là. J'aurais pu aussi faire un saut, tout simplement, de ce bord-là à ce bord-là. Donc, avec un fil normal, donc on voit que mes électrons peuvent passer, sauter à la prochaine étape et continuer le circuit. Et ça va fonctionner encore de la même façon. Donc, pour effectuer un montage en parallèle à l'aide de fils et de trois ampoules placées en parallèle avec un interrupteur, on commence tout d'abord par sortir le matériel qu'on a besoin. Donc, une tonne de fils, nos ampoules et notre interrupteur. On commence toujours de la même façon. On part d'une de nos bornes et on retrace le chemin à travers les électrons, lesquels les électrons vont passer. J'aime bien placer mon interrupteur en premier, qui est du côté de la bande positive. Donc, je peux venir le placer directement. Comme ça, j'évite d'avoir des problèmes de surchauffe pendant que je fais mon montage. Ensuite vient la première ampoule. Donc, la première ampoule est vraiment dans la première boucle que les électrons peuvent prendre comme chemin pour décider de se rendre jusqu'à la prochaine borne. Donc, on peut utiliser tout simplement nos fils, les rentrer dans l'ampoule et comme ça, on a une première boucle. Deuxième boucle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser encore nos fils. Mais vous avez peut-être remarqué, ici, on a un embout positif, mais on a aussi un embout interne. Donc, un mâle-femelle, comme on dit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que pour créer notre autre boucle, on peut venir tout simplement brancher en dessous de nos petits éléments à sigmatron.
pour venir faire notre deuxième boucle. Par exemple, ici, je branche mes fils. À partir de ces nouveaux fils, je vais aller brancher ma deuxième ampoule qui va se situer donc dans une autre boucle. Si on regarde ici, oups, le fil a décroché. On a notre première boucle, une deuxième boucle avec la deuxième ampoule et on fait la même chose pour notre troisième boucle avec la troisième ampoule. Donc on vient placer ici et on termine avec la dernière ampoule et notre dernière boucle. Donc la source est allumée ici. On a notre circuit en parallèle avec une première boucle avec l'interrupteur. Ensuite, les électrons, quand ils arrivent ici, ils ont le choix de passer par l'ampoule pour retourner à la bande positive ou de poursuivre leur chemin vers la deuxième boucle, vers la deuxième ampoule et de revenir ensuite vers la source. Et même chose avec la dernière. Donc, les électrons pourraient carrément passer tout droit et se rendre à la dernière ampoule ici, passer et retourner par les fils rouges vers la bande positive. Donc, si on appuie sur l'interrupteur, ici, les trois ampoules allument. Si vous observez, c'est toute la même intensité, donc lumineuse, ce qui prouve les lois de Kirchhoff, donc pour les circuits en parallèle. Donc, voici le circuit en parallèle pour le panneau de montage. Donc, ce qu'on apprécie du panneau de montage, c'est vraiment le fait qu'on peut voir facilement les boucles, contrairement avec les fils qui parfois peuvent devenir très mélangeants. Donc, ici, on voit facilement nos boucles qu'on peut créer. Encore une fois, on va commencer notre circuit en déposant notre interrupteur du côté de la bande positive. Donc, juste ici, c'est la place de choix pour mettre un interrupteur. On pourrait le mettre aussi ailleurs dans le circuit, mais on préfère le mettre dès au début dans la première boucle pour s'assurer d'un bon fonctionnement. Ensuite de ça, viennent les ampoules. Donc, trois ampoules à placer en parallèle. Panneau de montage égale plusieurs choix, plusieurs façons de créer le même circuit avec le même effet en bout de ligne. Donc, nous, on va préférer y aller avec la plus petite boucle possible. Donc, notre première ampoule est comme en continuité avec la première boucle. C'est comme si on faisait un petit circuit en série, en premier. Donc, on commence par la placer dans le premier endroit le plus rapide d'accès pour finir une première boucle. Ensuite de ça, vient la deuxième ampoule. Comment ça fonctionne dans le panneau de montage? Vous allez voir, les portions du milieu sont réellement faites pour créer des circuits en parallèle facilement et rapidement. Donc, souvent, on va voir déjà la première boucle. Le but étant toujours de donner ici à nos électrons un choix, une intersection. On crée des intersections. Donc, par exemple, si nos électrons arrivent de notre bande négative, ils ont le choix de passer à travers la première ampoule et de retourner à la bande positive, ou il y a le choix de continuer et d'aller passer plutôt par l'ampoule numéro 2 pour revenir en bout de ligne vers la bande positive. Même chose avec notre dernière ampoule, on va venir créer notre troisième boucle. Donc, on peut venir la créer tout de suite à la limite ici. Donc, à ce moment-là, les électrons, encore une fois, un choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Attention ici, par exemple, nos électrons, poup, ils vont frapper du vide. Donc, si par exemple, j'essaie d'allumer ma source, à ce moment-ci, on a seulement les deux premières qui allument et la troisième, il n'y a aucun électron qui passe par là parce qu'ils n'ont pas moyen de se rendre à la bande positive. Ce qu'il faut ajouter à ce moment-là, c'est un petit fil conducteur comme ceci. Et ça devrait régler notre problème. On a nos trois ampoules qui s'allument à ce moment-là. Et on recrée exactement le même circuit qui est montré sur le schéma. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Oui. Par exemple, je vous montre une autre composition possible. On peut faire une très grande boucle ou une boucle super espacée. Par exemple, comme ça ici, on rajoute un petit fil ici. Et là, il me manque un petit fil à sigmatron. Je vais juste déposer ce petit fil-là comme ça, qui va faire le même effet. À ce moment-là, si on reprend notre circuit, on peut voir première boucle complétée. Deuxième boucle un peu plus loin, mais c'est pas grave, les électrons vont sûrement poursuivre leur chemin et revenir comme ceci. Et la troisième boucle est encore plus loin. Donc, on a encore une fois le même résultat. Les trois mêmes intensités lumineuses. On sait que notre circuit fonctionne, qu'il est bien en parallèle.